Donc, l'ISMO, l'indice de stabilité de la matière organique, c'est un indicateur qui est basé sur le fractionnement biochimique de la matière organique couplé à une cinétique de minéralisation du carbone à très courte durée, donc sur 3 jours. Le principe de cette analyse, c'est de mesurer donc les constituants de la matière organique par des traitements à des détergents plus ou moins forts. Donc, on commence par un détergent neutre, puis acide et acide sulfurique, et ces solubilisations successives permettent donc d'obtenir des fractions organiques qui sont utilisées pour calculer la quantité relative de matière organique potentiellement résistante à la minéralisation. Et l'introduction d'une cinétique de minéralisation très courte durée dans le calcul de l'indice global permet d'introduire le comportement du produit et donc de confronter la composition de la matière organique de l'amendement avec l'allure de sa dégradation.